Depuis maintenant 4 semaines, Liu Ganghong suit le parcours des plongeurs des opérations sous-marines. Un parcours immortalisé par nos caméras. C'était super dur. À présent, les jeunes recrues se préparent à affronter leur première élimination pour espérer passer à l'étape suivante. Cette fois-ci, ils seront seuls. Un tiers d'entre eux sera recalé. Le reste poursuivra la formation pendant les 8 semaines restantes. Votre première épreuve comporte 3 parties. Le sol est mouillé, donc faites bien attention pendant que vous courez. Ce serait dommage de se faire éliminer parce que vous avez glissé. Après 4 semaines d'entraînement, nous devons nous assurer qu'ils sont à la hauteur de nos attentes physiques. Allez, allez! C'est parti pour 2 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 53. Ça demande une force physique et une endurance surhumaine. Une fois les tests d'aptitude physique passés, il reste le test d'endurance tant redouté. Il va leur falloir ménager leurs forces. S'ils s'épuisent trop tôt, ils risquent la noyade. Attention! Je n'ai pas beaucoup de force dans les bras. Je n'arrêtais pas de glisser. Je n'arrivais vraiment pas à m'accrocher.